stop. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est XPlayer78, donc j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc, tout d'abord, ça va être un tutoriel hyper simple, une vidéo qui va pas durer longtemps. Donc, je vous parlerai plus dans la prochaine vidéo pour m'excuser et tout, car ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, voilà, on enchaîne directement sur le tutoriel. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir de comment mettre une image sur Greypolis. Donc, ce tutoriel est exclusivement réservé aux joueurs de Greypolis, donc c'est un jeu par navigateur. Si vous aimez la mythologie et tout ce qui est antiquité, je vous conseille ce jeu qui est vraiment génial. Donc bref, je me suis dit je vais faire un petit tutoriel parce que j'en ai pas vu sur YouTube. Donc c'est un tutoriel, c'est comment mettre une image donc en blason personnel sur Greypolis. Donc là vous pouvez voir que j'en ai mis une, mais il y en a beaucoup qui ont du mal car les conditions pour la mettre c'est 240x180 pixels. Et c'est en format JPEG, PNG et GIF, donc c'est vraiment des conditions assez minimales, enfin surtout dans le format. Donc ça c'est chiant, donc 180K ou ça va. Donc pour mettre une image tout d'abord, et si vous choisissez une image par exemple sur Google Images, donc moi j'en choisis une, il va vous falloir deux logiciels. Donc un logiciel de capture d'écran, donc lequel vous voulez, donc vous pouvez trouver sur internet des logiciels qui font des captures d'écran. Tac tac tac, donc Fastone Capture, c'est un logiciel vraiment génial, donc il fait vidéo et capture d'écran, donc je vous le conseille vivement. Donc après OpenOffice, il vous faudra OpenOffice, donc après je vous conseille de télécharger OpenOffice car ça peut servir aussi dans la vie courante pour faire des trucs, pour faire des devs, hein. Super bien OpenOffice. Donc vous ouvrez OpenOffice, pardon, ça charge, donc voilà. Donc vous annulez, oui on s'en fout, oui. Annuler, bon. On relance. Et merde, moi je voulais fichier. Voilà, il faut ouvrir dessin. Donc excusez-moi. Donc je vous conseille d'ouvrir le dessin. Donc ensuite, vous allez donc aller dans l'image que vous avez téléchargée. Donc c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Donc vous téléchargez une image, vous téléchargez OpenOffice. Donc par exemple une image, moi par exemple pour mon compte, une image de Spartiate. Donc, hop, je la mets. Vous la mettez là. Donc après, ils autorisent un format minimal. Donc je la baisse un peu. Donc comme vous pouvez aller voir sur Greypolis, c'est 240x180. Et c'est là que Fastone Capture va être super utile. Donc ça, on s'en fout. Donc vous ouvrez Fastone Capture. Hop, vous faites les captures d'écran, donc là-bas c'est les petits pointillés, et vous regardez en haut à gauche quand vous allez commencer. Attendez, hop, vous cliquez, voilà. Quand vous allez commencer à faire votre capture d'écran, vous pouvez voir que en haut à gauche ça va dire VFOH, donc là. Ah merde, c'est un peu trop grand. Vous pouvez voir aussi en bas le petit carré blanc, là je suis en 254x168, donc ça va pas. Donc vous ajustez votre image, hein. Hop, on la baisse un tout petit peu. Hop, on clique pour enlever les petits points verts. Vous ajustez encore, vous faites tac tac tac. Donc ça autorise 240 et 180. Donc ça veut dire qu'il faudrait. Ouais, donc là on va autoriser ce format. Donc à vous de régler si vous voulez que ça soit la perfection, la perfection. Donc hop, vous finissez, vous faites sauver au bureau. Donc je vous rappelle les étapes, télécharger Fastone Capture ou un logiciel de capture d'écran, ayez OpenOffice. Donc vous téléchargez une image sur internet et vous l'ouvrez sur OpenOffice, et avec les captures d'écran vous réglez donc le format, donc basta. Ensuite vous faites parcourir dans le blason personnel de Greypolis. Vous allez dans bureau, vous cliquez sur fichier PNG, donc vous cliquez. Vous faites sauvegarder. Et on peut voir que le blason a été sauvegardé. Donc, allez, je sauvegarde. Hop. Donc, là, vous allez dans vos informations. Si les gens voient votre profil, ils verront votre image. Donc, bien sûr, elle peut être un tout petit peu plus grande si vous gérez correctement. Donc, voilà. Donc, ce petit tuto va prendre fin. Donc, moi, Greypolis, personnellement, je m'y suis remis. Car avant, j'étais pas mal. J'avais atteint les 100 000 points sur Omega, un monde, un truc comme ça. Enfin, c'est il y a quelques années, on va dire.
Et c'est un jeu qui a fait plein de mises à jour, donc je verrai si je vous le présente dans une autre vidéo. En tout cas, il y a plein de vidéos sur YouTube. En tout cas, les amis, on se retrouve pour d'autres vidéos où je vous parlerai plus de la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé, tout blablabla. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit j'aime, c'est gratuit. Allez, bye tout le monde.